Et oui, parce que c'est sur ce testimonial que nous commençons très très fort l'épisode. Donc salut à tous, bienvenue pour ce épisode 46 consacré à Modern Warfare 2. Et ouais, parce que dans ce jeu, on peut le dire, on va tout péter. On va tout péter. Ah ouais, on va tout péter. Et cette fois, j'ai ma bonne classe. Je ne risque pas de me faire défoncer. Oui, bah moi, sachant que je suis débutant, je vais me faire latter facilement, mais bon. Pourquoi parles-tu si bas? Je suis débutant. Ah bon? Moi, je suis expert. Oui, mais moi, je suis débutant. Oui, alors Modern Warfare 2, je vous rappelle que nous avons fait déjà un testing lab 45, bah, l'épisode d'avant, sauf que c'était pas avec Apple Game, c'était avec quelqu'un d'autre, avec Blue Angel Y, que vous connaissez bien, cher ami. J'en ai fait l'expérience. Oui, voilà. Et il se démerde pas mal, mais bon, là je vais essayer de me démerder ici pour voir si je peux y arriver. Oui, c'est ça que je voulais. Alors, on vous rappelle, c'est un petit jeu de tir assez sympa. Je vais créer cette classe. Édité par Infinity Ward, développé par Activision. Mais je pense que s'ils regardent l'épisode 45, ils sont... De toute façon, ils auront déjà vu les, oui, les, toutes les dates du jeu, ainsi que toutes les précisions. Je vous les remets quand même en dessous de la vidéo, toute cette petite précision. Donc voilà. Un petit jeu à avoir sur la Xbox pour se détendre, pour tout défoncer, tout castagner, tout... Tout quoi. Voilà, tout péter, tout... Voilà, ça commence par N, vous avez deviné. N-I-K-U-E, pour ne pas dire. Ouais, voilà. Voilà. Tout défoncer, tout tuer, enfin vous tuer de tout et n'importe quoi en fait. Surtout qu'on est deux. Bah ouais, bah deux ça fait pas tuer grand chose. Ah bon, de la viande fraîche? Ouais. Ah d'accord. Alors je te laisse créer ta classe. Voir si tout va bien. Alors, qu'est-ce que je vais me prendre? Mais... Alors qu'est-ce qu'il propose? Allez, on va prendre ça, soyons fous. Ouais. Tu changes? Attends, je regarde. Parce que tu peux changer tes armes là. Après. Ouais, c'est... Ouais. Allez, bah, qu'est-ce qui mène le plus un peu de ça? Alors disons que il fait le bon choix en utilisant les balles chemisées. Non, tir rapide je crois. Ouais. Tu sais que tu es mort sur ce choix. Ah bon? Non. D'accord. C'est vraiment il dit ça parce que. Non, on s'en fout de tir en flash. Rien à foutre. Alors, précisons que on peut jouer au sniper sans bouger, mais on appellera ça une campouse. Oui, la pure campouse. On vous montrera ça peut-être. Oui, surtout moi je ne suis pas un. Logiquement. Je suis une campouse à mi-temps. Quand je trouve mon bon endroit, je le reste. Voilà, moi c'est bon, j'ai fait ma place et tout. Alors, on va... On va jouer dans un. Une bonne petite carte. Un qui me plaît bien. Alors on va se faire un match à mort par équipe. Ah ouais? Et on va mettre ton jeu illimité avec 2500 points. C'est déjà pas mal, je trouve. C'est déjà pas mal. Ouais, parce que 15000 points, ouch! Alors, petite difficulté, on va le faire en mode hardcore. Ah oui, hardcore! On vous rappelle, hardcore, c'est que vous ne voyez pas les ennemis, enfin si vous les voyez, mais sauf que vous n'avez pas la carte. Et que vous tuez plus facilement. Donc en mettant 2-3 balles, c'est bon. L'écran, il y a juste l'arme et ce qu'on voit. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc. Attendez que si vous mettez hardcore, bien entendu, le hardcore, là vous aurez la carte et vous allez voir facilement l'ennemi. Donc si. On a fait l'expérience, hein, vous vous rappelez, mais bon, hardcore c'est beaucoup plus stylé. Bon bah. Attends, moi je suis un débutant. Commence. Bah oui, moi je suis pas de temps. Je vais tout défoncer. On va tout niquer. Ouais, Rocky Balboa est dans la place. Ouais, Wonder Woman. Oh, y'a Rocky qui est de retour. Alors, c'est toi qui choisis. D'accord. Il a
il a bu un coup avant de venir. Ah mais non, mais maintenant ils vont savoir tout sur ma vie privée aussi. Oh non, c'est pas drôle. Allez, c'est parti. On va tout défoncer. Eh ouais, moi je suis prêt, machin, je vais tout me faire niquer surtout. On va bien se marrer. Je joue au malin, petit joueur. Ah oui. Tu sais que ce que tu as fait est vilain. Ah bon? Parce que quoi? Parce que j'avais pas le droit d'aller faire pipi dans la mare? Eh ouais. Ah mais merde. Non, là c'est dans les bureaux où t'es écoulé. C'est dans la mer sacrée. La mer sacrée. La mer sacrée. La mer à canard. Bon, on va se trouver quand même, parce que là, c'est pas d'accord. T'as la poêche. Ah ouais, j'ai la poêche qui fait plaisir. Enfin, pour l'instant, non. Bon, disons qu'il se planque. Mais même moi, je suis pas en train de faire ma campousse, moi. Si. Il y a toujours des campousses dans le jeu. Ouais, mais pas avec moi. Parce que quoi, c'est-à-dire là je serais resté comme un crevard ici et sans bouger, vous voyez. Ah bonjour. Salut. Bonjour. Il était joli celui-là. D'accord. Ah là, ça c'est un exemple de bon joueur. Bon, je ne peux pas affirmer que je suis bon joueur. Quand même, le level niveau 60, il n'y a rien à dire. Alors, vie aux amateurs. Bah oui, comme ça. C'est normal, je me fasse tuer parce que j'aime ça, me faire tuer. Voilà. Mais disons qu'avec Blood Angel, tu t'es bien débrouillé. Normal, ça tu connais la carte. Ouais. Oh, enflure. Ah putain, t'es pas mort. Attends. T'as fait la gêne et les douleurs. T'es attendu. Quand bah, tu t'es tué? Non. Bah, je suis mort tout seul. Ah ouais? Bah oui, il y a un temps. Tu savais pas? Ah non, j'ai pas fait attention. Ah bah, il tire dans le sol, il se fait tuer. J'ai rien compris moi. J'ai dit bah merde, il est mort. C'est Coaster Mike. Viens bouger avec tonton. Ah oui, attends, je viens. Je la joue à un vrai soldat.
Jeter. Viens là, mon canard. Ah, oh, fais chier, fucker. T'es si mignon quand tu veux. Ça, c'est bizarre, c'est une phrase que j'ai déjà créée en temps quelque part. Oh. Ah merde. Mais ça servait à rien, mais c'était pour faire joli. Comme ça, au moins, je sais où il est. Oui. Alors, l'avantage avec le mode hardcore, c'est qu'on peut se planquer n'importe où. Le joueur pourra pas nous retrouver. Sauf, bien sûr, si vous vous amusez à jouer à deux. Comme une pauvre fête, c'était avant moi. Dans lequel cas, le plus mauvais joueur regardera l'écran de l'autre. N'est-ce pas, Flo? Non, je me reconnais pas. Je ne suis pas ce genre de joueur comme ça. Tu as le bon état d'esprit, c'est bien. Mais non, mais je vais devoir payer des frais de réparation là. Eh ouais. Mais non, mais. Faut pas tout casser non plus. Ouais, ça coûte cher ça coûte cher les assurances. C'est toi le taliban, c'est moi le sauveur, donc c'est à moi de. Je suis un taliban, moi. Bah oui. Ah ben non. Ah, quoique. Si, c'est toi. Moi, je suis la plus belle force du monde. La Task Force. Ah, mais je suis taliban, moi. Eh oui. Ah, bah, merde. Bon, allez, tu es où, petit lapin? Le chasseur te cherche. Il s'était caché. Ouais, non, ça, c'est... Un lapin. Ah, mais non, mais ça, c'est dans la liste rouge, ça. Voyage, voyage. Oh, il est fini. Il va tous nous les chanter. Allez-y, nous t'écoutons. C'est qu'on en revoit. Eh merde. Ok. Pourquoi tu dis oui? Parce que. Parce que ça m'est sorti directement à l'esprit, en fait. Ok. Allez. Un petit exemple de campus. Faut être bonne campus pour pouvoir tuer. Aïe, ça fait mal. Ça fait chichi mal aux fesses. On va s'amuser un peu. Alors, c'est très simple. Il suffit de tirer comme ceci, comme cela, énormément. Ça passera ce... D'accord. Ça passe. Mais il faut juste savoir où il est. Oui, bah oui. Pas loin, dès que c'est pas loin à deviner. Ah là là, t'es si mignon quand tu meurs. Ah non, c'est moi. Là, c'est moi. Là, c'est toi. Voilà. Oh, j'adore tes lunettes. Tu peux prendre-les. C'est gratuit. Bah ça, oui, t'es mort. C'est sponsorisé par... Par ActuGame. Ouais. Par Micromania et... Non mais non, faut pas dire de marque. Attends, les gars là-bas, ils achètent ça ou... Oh, quand même. Comme ça leur fait de la pub. Un ouais, mais peu. Bon. Ah oui, un sans peu. Dèche. D'accord. Ah oui, d'accord. Ah, pourquoi tu choisis jamais le bon truc? Putain, mais c'est pas ce que je voulais. Bon, c'est pas grave, faire comme ça. Dommage que tu ne la joues pas la sniper. Non. Pourquoi? Parce que... Depuis tout à l'heure, je joue la sniper. Ouais, mais... C'est mais... facile. C'est trop facile à mon goût. Ok. T'es partant? On va sortir la tirée. Ok. Tu me trouves, tu me tues. Et tu meurs. D'accord. Bon, faut prendre temps alors.
1. 1, 2. 3. 3. Moi je regarde la télé, mais en attendant. Ok, j'arrive. On va regarder le câble ensemble. Ouais. Ah putain. Oh Vector. C'est pas bien ça. Bah quoi, j'ai pas le droit de la musique. Non. Le tueur n'aime pas les portes. Il préfère la fenêtre. Ça me rappelle étrangement Bad Company où je défonce les portes plutôt que de passer par la fenêtre. Ouais. Ouvrir la porte. Moi j'éteins la porte, je ferme la lumière. Comme dans Live for Dead. Moi, dans Live for Dead, je m'amuse à défoncer les portes au lieu de les ouvrir. Intelligent peut-être, mais tout aussi efficace. Voilà, exactement. Au moins, on n'a plus de problème d'isolation. Petit. Où es-tu, mon petit? Oh, du chauffage. Du chauffage? Ah ouais, j'ai vu du chauffage. Et moi, j'ai vu un mort. Pourquoi tu t'écartes d'un coup? Ah ouais, c'est pas marrant. Parce que j'aime pas cette vue en fait, tu vois. Non, t'inquiète pas, je ne te vois pas. J'ai juste l'impression que c'est toi, mais je ne te vois pas. Ah d'accord. Attention, âme sensible, s'abstenir. Et jeunes enfants, ne pas jouer à ce jeu. Voilà pourquoi. Allez, c'est parti. J'espère que tu aimes te planquer parce que... Oui, j'aime ça. Enfin, sans trop faire... Are you ready? Ah, yeah. Ah oui, d'accord. Petit coup. Oh, je tiens en plus. C'est trop fort. Quelle chance. I love home. Viens, petit. Amène tes fesses. Non. Ok. Voilà, je peux mourir dignement. Mais je gagne quand même un point. Oui, quand même. C'est waouh, inouï. C'est sordide. Tu es là.
Ah, j'ai vu un truc bouger. Bon, allez. On passe aux grosses. Grosse machine ? Ah, il y a une sacrée machine. Ah, tout ce petit fromage. Ah, j'aime cette place. C'est toi aussi, tu as un cœur en or. Appelle le 3606 et tu sauras si ton mec t'aime. Elle est pas mal cette plume. Yes. Ah non, mauvaise porte. Salut. Fin du soin du soin. Ah, oh, mais non, on m'a appelé. J'avais un coup de fil. Merci pour l'arme si géniale ici. Oui, qui n'est pas dotée d'un lance-roquette. Enfin, d'un lance-grenade plutôt. Non, d'un fusil à pompe. Allez, c'est parti, mon kiki. J'utilise ma dernière grenade flash. Je sais pas si... Ah non, j'ai fait une erreur. Bah, désolé, je suis obligé de jouer les campus. La prochaine fois qu'il réussira à me tuer, je jouerai au MG4. Mauvaise pioche. J'adore cette arme. Pourquoi descends-tu des escaliers? Parce que je descends. J'en avais marre. Ah, c'est une nouvelle technique tout à fait particulière. Oui. Surtout que là, tu vas souffrir, des arrêts de gueule. Ah ouais? Et attention, il n'y avait pas de maman. Oui, je montre tout mon attirail d'armes. Ouais, pour faire son beau gosse. Voilà, voilà. T'as tout compris, tu vois. Bon, hâte de te la prendre pour un Michael Vendetta, là. C'est qui, lui? Elle connaît pas moi non plus. C'est un... Moi je connais Rambo, mais pas John. Rambo? Ou c'est John? Ouais. Donc voilà, un petit moderne qui fait bien plaisir pour se taper dessus. C'est sur la grande télé qu'il faut regarder. Je relève le défi. De regarder sur le petit écran. Ah, ok. C'est un fou. Ce gars est un fou furieux.
Déjà, je sais même pas où je me dirige. Tu vas reconnaître. Bon, non, je regarde l'écran. Trop dur. C'est un peu, petit peu chaud quand même. Exactement. Enfin, je peux pas dire que c'est chaud parce que vu qu'ici il fait froid. Allez. Quoique dans nos combinaisons, il est peut-être chaud. Hein. C'est hypothermique. Waouh! T'as appris un mot, Flo! Ah oui? C'est un exploit? C'est bon. Ah bah moi j'avais trouvé. Je suis peut-être mort, mais moi j'ai trouvé. Ouais, tu m'as trouvé en moins de 2 secondes. Je t'ai tué en moins d'une seconde. Mais c'est pas grave, moi je t'avais vu. Exactement. Mais moi j'essaie de te trouver, je cherche. Même si je me fais tuer, mais bon, c'est pas grave. Ah, j'adore cette petite partie. 900, 300, ah ouais, bon, là, c'est sûr qu'on n'aura pas le temps, à la limite, de faire les 2500 points. À main que, mais bon. Si. Tu viens à moi, comme ça. Ok. Ok. Je pleurerai sur ma mort. Oh, je suis beau de fric. Enfin, pas, je sais pas à quoi servent les petits billets, mais bon, c'est pas grave. Ah, c'était un couteau. J'ai récupéré quand même mon couteau. Parce que moi je mange, moi après. Dans sa vie, il est lanceur de couteaux. Non, j'étais. Ah, tu couteaux. Étais. Ah, d'accord. Et malheureusement, mon couteau a disparu. Il a préféré partir sans moi. Aimes-tu courir, petit? Oui. Eh bien, cours. Ça me fait du sport. Cours comme tu ne l'as jamais fait. Oh, t'imagines? Cours, Forest, cours! T'imagines un gros, vraiment un gros, 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 qui a l'armée. Oui. Non, mais t'as, voilà, pas... Tu vois, mais vraiment, le truc énorme, quoi. Oui, je vois bien, oui. Qui va à l'armée. Mais qui réussit à survivre. Moi, j'appelle ça un Bouddha. Ah oui. Oui, d'accord. Je l'appellerai Bouddha. Ça sera mon pote, mon premier pote sur Facebook. Mon meilleur ami. J'imagine quand même, j'imagine le premier mec qui s'est inscrit sur Facebook. Quand même. Toi? Non. Non, mais il devait bien se faire chier par contre. Pourquoi? Ça va? J'ai pas cramé que t'étais là. J'étais derrière. Eh, d'accord! D'accord, ça fait de la déconcentration. T'as enfin compris. Ah merde! Ouh, c'est pas bon. Là, t'es doué. J'ai appuyé sans faire exprès. Je reconnais bien mon fils. Il s'appelle Paul. C'est Paul le poulpe? Non. C'est Jean-Claude? Non. N'empêche, le premier mec sur Facebook, il devait bien se faire chier quand même. Dire, ouais. Bah, ah, y a même pas d'application. Oh, oh merde. C'est quoi cette merde. Et puis 2 jours après, t'as eu une fille. Ah, une fille, oui. Elle s'appelait Eve. Le mec qui s'appelait Adam. Ils se sont rencontrés, ils ont créé Facebook. Ah oui, ça. Et après, ils se sont paxés avec une chèvre. Ou un bouc. Putain, avec un bouc, ouais. Ça a donné fesse de bouc. Fesse de bouc. Non, ils ont eu un gosse. Ah bon? Oui, oui. Ils l'ont appelé Book. Et leur nom de famille à la base c'était Face. Ah, Facebook. Oui. Foiré. Bon, par contre, je vais repérer le mur. Hein. Enfin, un petit bout des remplacements des trous. Et oui, je fais des trous. Et oui, c'est fait pour jouer au mini-golf. Enfin, là, dans ce sens-là, c'est un peu dur. Hein. Yeah. Trouve-moi, petit. Je pense que ça va être difficile. Ouais, la pérèse, là.
Ouais, mais au moins je suis sorti de mon terrier, d'accord? Ouais, comme un lapin. Voilà. J'ai bien vu le lapin partir là-bas. Et il est mort où déjà? Oh. Oui, regarde bien mes fesses. Mais j'ai plus un penchant pour ta tête. Ou pour tes lunettes plutôt. Tes lunettes, elles sont plus classes. Bah, tu peux les prendre, hein, y a pas de soucis. Oui, je sais, tu es mort. La planque. C'est parti, petit enfant de cœur. Eh hey. Tu savais qu'un poisson rouge, il avait 3 secondes de... Il avait 3 secondes de mémoire. C'est pour ça que c'est... On l'appelait Maurice. Ouais. Et moi, je viens de me rendre compte dans un sketch. Merci, Kevin. Kevin Adams. Il disait... Waouh, c'est trop fort ici. Waouh, c'est trop fort ici. Ben moi c'est pareil dans Calaf. D'accord. Là tu vois, je vois le train là, je fais wow, c'est trop fort. C'est des rails comme idée. Waouh. Parlant de ça, je suis sûr des rails. Eh ben des rails pas trop non plus. T'inquiète. Je m'en vais, je quitte le monde de la guerre pour aller... Rejoindre ma femme. Non, pour aller rejoindre, je sais pas trop quoi, mais... Le paradis. Paradis dans les montagnes? Ouais. Non, je cherche la montagne la plus haute. Ah, vache. Je me perds ici. C'est tellement beau et froid et humide. Voilà. Tu vois la maison où il y avait la télé? Bah c'était chez moi. Ah d'accord. Ah bah j'étais fait un tour. Oups. Oh c'est beau. De quoi? Ce que tu as mis. Oui, ça s'appelle une bombe. Ah d'accord, bah en gros si je marche dessus ça pète. Non, c'est pas trop tard. Une bombe, je sais pas si tu sauras marcher sur un mur. Certes je dis exploit mais... Non mais ce serait tellement beau et magnifique. Voilà. Tu as tout compris mon fils. Tu as tout compris, tu vas y compris. C'est que oui, tu veux. Ah moi je me mets des petites bananes de dégâts, tu m'as fait. Alors, je me souviens, sur FIFA, sais-tu combien de personnes ont regardé le match où j'ai perdu lamentablement? Je n'ai pas compté. 113 personnes. Au moins, il y a 113 personnes pour la première partie, 63 personnes pour la deuxième partie. Au moins, il y a eu 113 personnes. Ouais. Exploit. Il est où ce rat? Au moins, tu sais où je suis. Oh, j'aurais pu t'avoir un couteau. Ah, un couteau, fameux petit couteau de merde. Petit couteau aiguisé de merde. Ouais, bah tiens, il est bien aiguisé, mais il fait très mal. Un petit katana, ça aurait été mieux. Non. Ouais, on en a combien? 1000. 1100. Oh, ça passe pas vite. Bon, il reste encore un petit peu de temps. On a un petit peu. Ça, on reste vraiment un petit peu de temps. Au moins, on voit qui est le maître. Oui, bah c'est normal, moi j'ai pas le jeu, c'est normal. C'est à moi que je me fais la tête. C'est juste qu'en hardcore, je suis. Ouais,
Bon, sauf en ligne, bien sûr. Non, là, je suis pas en ligne. Ah bah, il y a des fous furieux, ouais, bah là... Sans comprendre. Ça, c'était mal prévu. Tu viens de signer ton arrêt de mort, François. D'accord. Je suis prêt pour la mort. La mort qui pue. Bon, bah, il doit bien puer avec ça. Oh mais oui, tu es tellement fort que tu m'es passé juste devant. Parce que je crois que je t'avais pas trouvé. Mais... délicatesse. T'as tiré? Ah bon? Ouais. J'ai rien senti. D'accord. Albataire. Ah là là. Je savais pas que les talibans étaient aussi dans ce que ça. C'est normal, c'est des talibans, c'est des pauvres nuls. C'est normal, c'est pas des requins. Non, ne disons pas ça. Quand même, les talibans sont bons. Oui, enfin, pour mais certains. Oui, mais certains. Ouais. Sauf qu'on est tombé sur un vrai nul. C'est normal, quand t'as pas le jeu, c'est normal, tu connais ouais, pas beaucoup. Non. Ah. Mais tu te débrouillais bien contre le Blue Ninja. Ouais, enfin bon. Non, parce que là, c'est ma carte quand même. C'est la carte de prédilection. C'est pas ma carte de prédilection, ma carte de prédilection, ah c'est. Bon c'est l'avion. Il y en a combien? 1200, il me semble, donc t'as dû mettre. 4 frags. Non, enfin moi j'en ai dû en mettre 4. Toi 6, je pense, si ça fonctionne de 200 en 200. Oh bah oui, là, ouais. Ouais, bon, là, j'avoue. J'ai attendu que tu montes. Avant. Je te laissais une seconde de repli. Je me suis dit, tiens, il se retourne, je le fais. Je pourrais pas me retourner plutôt histoire que je te vois bien en face une dernière fois. Ok, bien. Assois en courant au couteau. Prêt ? Pas d'armes, couteau. Ah non, mais non. Couteau. Non, mais j'ai pas le couteau, de toute façon. Si, t'appuies là. Ah ouais. Exact. Oh, moi je voulais casser la vitre. Voilà. Waouh, j'ai cassé une vitre. Mais j'aime pas les vite en fait. Tu viens d'exploser ma télé là. Ouais. Elle est moche. C'est pour de la nouvelle génération. Ah foiré, je voulais t'avoir un couteau. C'est bon, une télé qui prend feu, t'as vu? Ouais, surtout que c'était ma télé. Ah pardon. Là je vais la faire rembourser chez... Ouais. Ouais. Tu vas te faire rembourser chez DRTY. Ouais, après tout, ce serait pas une mauvaise idée. Non, moi je vais me la faire rembourser par Micromania. Bah depuis quand Micromania ils font des télés?
depuis... Tu saurais tellement il faut. Oups. Tellement l'habitude. Tu connais René Latour? Non. Elle lui dit que tu connais. Ah oui. René la petite taupe. René la taupe. Tu l'aimes bien? Non. Non, non plus. Ah d'accord. Bah maintenant elle s'est fait défoncer. Ouais, mais moi je me cachais pas sous terre moi. Voilà, moi aussi non plus. Petit. Biche. C'est ma biche. Biche, ma biche, le rose que tu souris. La bichounette. Tiens. Biche, c'est quoi son surnom déjà? Une petite biche. Une petite biche juste à côté. De chez toi? Ouais. Comme un code? Ouais. C'est Mr. Bond. Mr. Bond? Ouais. Moi je l'appelle biche. Parce qu'il a une tête de biche. Je ne pense pas comprendre. Non. C'est qui c'est non, qui... en fait, c'est. Voilà. C'est la même chose que Opa Game, mais sauf que vous le mettez sur Jazzmon et il fait la même chose, quoi. Voilà. C'est ma vengeance. Dans son jeu, je suis la biche. Dans mon jeu, il est la biche. Comme toi. Sauf que toi, t'es si mignon comme ça. Oui. Bah oui. Oui. J'arrivais pas à viser avec le snipe. J'ai honte de le dire. Tu restes content? Bah, attention, bientôt arrêter. Allez. Amite-toi, faut faire la... Amite le dernier frag. Puis voilà. Bon bah, le point noir alors. Ouais. Bah, le point en or... Ah, le point en or, ah oui, le point américain. Non. Ah, d'accord. Ah, merde. C'est pas celui-là que je pensais, mais... Ah, Akrat. Le point en or. Le point en or avec... avec le point, pardon. Ouais, de toute façon, je suis un peu à la bourre. Oh, bah, c'est sûr, là. Autant y aller à la Wall Again, hein, soyons fous. Je prouve... Donc, dans ce chapitre, je prouve ma supériorité. Prochaine voilà. Fois, je me mesurerai à Blood Angel, je vous promets. Et ça sera filmé. Pour une fois que c'est mal, tu me contenteras juste de commenter. Et... Non, toi tu feras pas l'émission. C'est moi qui commentera, c'est moi qui dira. Ouais, mais c'est ma émission, d'accord? Oui, mais pour une fois, Waterflow peut prendre des vacances. Ouais, mais vous n'avez pas le matos nécessaire. Heureusement que c'est moi qui dit que j'ai besoin de matos. J'ai juste besoin de clés. De clés. Oui. Viens, petit, viens. Eh merde. Voilà. Je suis perdu. Je voulais la faire super bien, mais bon. Bon bah. Point nord. Ouais. De toute façon, j'avoue. Terminé. Voilà, bah. C'est comment vous montrer comment je suis une pauvre lopette à ce jeu. Voilà, non, tu n'es pas une pauvre lopette. C'est juste que tu n'as pas eu ta chance. Moi j'ai eu ma chance. Je me suis fait avoir sur Perfect Dark. Donc il faudrait la vengeance quand même. Sur Perfect, bon bah ça, sur Perfect ça allait encore parce que c'était très 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 serré. Voilà, c'est sur une belle partie du Destiny 46 de Modern Warfare 2. Bah qu'on va vous laisser. On va vous dire très bientôt, tout simplement pour un prochain épisode. Peut-être en faisant la thé, qui sait. Peut-être que c'est Apo qui va présenter la prochaine émission, qui sait. Oui, contre Boulanger. Ah oui, ah ça vous la verrez, ça c'est sur la vidéo. À mon avis, ça sera best-of. Bah oui, bah là le best-of de chez best-of, à mon avis, faudra attendre l'épisode 100 au moins. Bah déjà vous en verrez hein, l'épisode 50, un petit best-of quand même assez sympa. Donc d'ici là, portez-vous bien et puis je vais vous dire bah très vite. Hein. Merci d'avoir regardé la vidéo, puis voilà, tout simplement à très vite.
Allez, salut à tous et à la prochaine pour une nouvelle émission. Et à nouveau, je suis à tout. Allez, salut à tous. Bye bye. Salut. Bon alors, Wether, ça fait quoi de se faire battre pour la première fois? De se faire battre par la première fois après l'épisode de 46 de Moderne, c'est ce qui s'appelle ne pas avoir de chance. C'est, ne pas avoir les... Voilà. Les bip. Bip. Voilà. Dans le best-of, pas d'insultes. C'est quand même navrant. Voilà. Non, un moment de deuil, tout à fait, non. Non, bah, faut bien perdre, hein, je peux pas gagner à tous les coups. Voilà. C'était la victoire d'Apo. Voilà. Bon, attendez, moi j'ai une pièce, je vais rejouer ma chance. Non, j'ai pas ma pièce. Allez. Dommage. À boule la pièce. À boule. Tenez, voilà. Ah, je la veux bien. Ah, une belle manette comme ça, ouais, y a pas de souci. On ne dira pas le... Où il l'a trouvé, ni le prix, ni... Non. Comment il l'a obtenu? Alors, c'est secret. Voilà. Secret professionnel. Seule la personne que vous voyez qui est derrière la caméra le sait. Oui, coucou. Vas-y, je ne montrerai pas ma tête. Oh, non. Pour cette défaite, je dédicace cette défaite à ma famille et à Blood Angel parce qu'il va se reconnaître dans la défaite. Voilà, tout simplement. Voilà, Blood Angel, t'es prévenu. Voilà. Bon, enfin, j'espère qu'il aura. On va voir par rapport à toi ce que ça donnera. J'ai vu que c'était déjà chaud. Niveau... Oui, regarde. Y'a si je te mets de l'eau, tu sors. Vas-y, casse ça. Voilà.